Or nous observons dans certaines préfectures et sous-préfectures les tiraillements par-ci par-là. Ça, ça ne va pas très bon. Si effectivement on a les mêmes intérêts que nous défendons, les intérêts du parti, et nous avons dans ce cas les intérêts partagés, les intérêts communs, et ces intérêts font que le débat, il ne doit pas avoir de discussion, de débat, encore moins de querelle, voire même des fois des guerres tranchées. On a perdu certaines maisons, des concessions brûlées, à partir de moi, des intérêts particuliers. Il n'y a pas d'intérêts particuliers. Si c'est vrai, nous sommes des élus du FDG, si c'est vrai, nous croyons à notre parti, le parti qui est au pouvoir, il faut que nous développions l'esprit de paix et de solidarité. Notre parti est tellement bien appelé rassemblement du peuple en Guinée. Nous devons agir de manière à rassembler tous les Guinéens, quels que soient les choix de l'origine, leur appartenance. Quels que soient les choix de leur appartenance ethnico-sociale. Nous sommes tous des enfants du FDG. Et ce message, s'il est compris, il est compris parce qu'il y a encore des sous-préfectures où les bureaux exécutifs, où l'exécution, les maires n'ont pas été élus. Il faut que les pas de grèvement cessent. Ceux qui travaillent pour le parti, d'une manière bien intéressée, qui ne voient que l'intérêt du parti, il faut les laisser qu'ils puissent gérer les pays. Pour ceux qui veulent travailler ça, défendre leurs intérêts, ils ne sont pas, ils ne travaillent pas à l'intérêt du parti. Et nous sommes, beaucoup de gens ne sont pas revenus, on nous a délégué tous à l'intérêt du pays. Pratiquement tout le monde a été confronté à ce genre de problème. Or, il n'y avait pas avoir de problème entre les conseillers, tous les pas qui ont déjà assis. Et ensuite, on met un peu également de la parenté, de l'appartenance parentale, tel est de nos villages, tel est de nos cousins, et par conséquent, il faut que ce soit lui le maire, le vice-maire, le premier vice-maire, le deuxième, que le président du maire. Ça, c'est pas. Défendre la culture et l'intérêt. C'est pas défendre les intérêts. Il faut que les trois nous revenions à la raison et que les trois nous travaillons pour la paix. Dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures, on ne parle pas de la culture. Voilà, c'est deux fois que la parole est pas la situation de l'intérêt. Par le ministre de l'Ordre. Et, quand nous faisons des dépenses, Dieu merci, nous avons eu une déclaration de majorité bien conclue. Mais, on nous a dit que la deuxième phase, c'est la phase du vide. C'est les conseillers entre eux qui vont se retrouver dans une maison et qui vont élire le bureau exécutif des mairies. Et c'est là-bas où il peut y avoir beaucoup de dérapage. Malgré que vous avez déjà donné votre voix, mais si les conseillers ne sont pas dans votre esprit, vous qui avez élu ces conseillers, s'ils ne sont pas dans votre esprit, s'ils sont dans leur propre esprit, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, aujourd'hui, dans les communes de Conakry, les conseils de l'église ne sont pas encore en place. Nous vous invitons tous, vous qui avez élu les conseillers, d'aller auprès d'eux, de demander de tout mettre en œuvre pour que les conseillers exécutifs soient les conseillers exécutifs du parti, que ce soit vraiment du parti. Et il ne faut pas que les gens se tapent à partir pour faire le moi ou rien. C'est ce qui est très dangereux. Et ça arrive beaucoup dans votre commune. Donc, nous vous invitons, nous avons besoin, vous militants, de votre contribution auprès des élus. Alors là, vous les avez élus, vous avez mis devant vous. Vous pouvez encore contribuer à les sensibiliser afin qu'ils mettent en avant le parti et non l'intérêt personnel. Et malheureusement, c'est ce que l'on constate dans l'écrasante majorité des partis en République de Guinée. Ce n'est pas pour seulement le RPG, hein, mais dans l'écrasante
l'écrasante majorité des partis en République du Guinée. Mais c'est notre cas qui nous intéresse, le cas de l'EPG. C'est pourquoi nous prenons la parole aujourd'hui pour vous dire de tout mettre en œuvre, vous militants et sympathisants, lèvons-nous, allons-y vers ces élus-là, parce que c'est nous qui avons, c'est nous qui les avons élus. Donc sensibilisons les afin qu'ils acceptent la décision du parti. C'est le parti avant tout. Ce n'est pas l'intérêt personnel. Ce que le parti décide, c'est ça. Ce n'est pas l'intérêt personnel. Ce n'est pas le moi. Ce n'est pas le familial. Mon nom est devant, c'est le fils de mon cousin. Je ne vote pas pour lui, je refuse. Ça se passe dans le parti. Il faut éviter ça. C'est très dangereux. Ça risque de mettre le parti en péril. Et les gens ne voient pas cet intérêt-là. Donc, nous vous demandons encore une fois d'aller vers nos élus, les sensibiliser pour qu'ils acceptent quand même la décision du parti, parce que c'est le parti qui les a mis là, parce que c'est vous les électeurs, c'est vous qui avez voté pour eux. Donc, ils doivent accepter donc, vos conseils. Donc, si nous prenons la parole, c'est pour vraiment que chacun de nous soit sensibilisé dans ce sens-là. On ne se tape pas la poitrine pour dire voilà, c'est moi aujourd'hui. D'autres là, je n'aime pas parce qu'il est ceci. Mais si c'est la décision du parti, si c'est lui qui peut faire l'affaire, pourquoi pas être délégué pour sauver le parti, mais il y a beaucoup de choses qui ne passent. Donc c'est le but de notre intervention, accepter d'aller vers ces gens-là. Pour sortir aujourd'hui de cette salle, mettez-vous en mouvement, allez vers ces gens-là, dites-leur que c'est le parti d'abord. Et pas le dire personnel. C'est extrêmement important. Je vous remercie. Aujourd'hui, plus qu'hier, je suis permanent. Et ça, chacun de nous est nécessairement impliqué. Chacun de nous est sollicité. Pour mettre la main à terre, nous sommes le parti au pouvoir, le prêcher par la solidaire. Au sein du FPG, il ne doit pas avoir de communautaire. Il ne doit pas avoir. C'est la Guinée, une et une. La Guinée que nous avons en partage d'une manière égalitaire. Ceci est extrêmement important. La personne n'a pas accordé, nous a toujours dit que la Guinée est être un jour. Le Fouda, à la Guinée forestière, et la Guinée, et la Guinée. Sans une des roues, si une des roues, nous ne pouvons pas. Donc ces quatre régions naturelles, c'est l'ensemble des esprits apparentés à cette région, à ces quatre régions naturelles qui font la Guinée et qui feront la Guinée et qui peuvent travailler pour le développement de notre pays. Il me semble que la Guinée, nous avons tellement à faire, on est en train de faire, avec le potentiel que nous avons, des femmes extrêmement dynamiques et intelligentes, des jeunes, des gourmets. Des lieux sages, il n'y a pas de raison de ne pas que le pays. Il ne peut avancer que si nous trouvons la paix. Tout vient après la paix. Tout, c'est la paix d'abord, avant tout. Et ceci, il faut le comprendre. Et nous, à partir du pouvoir, nous devons le faire, cultiver cette paix, cette solidarité, cette entente, cette fraternité à tous les Guinéens, puisque nous les autres. Ça, c'est important pour nous, parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Il y a des fois des gens partis par là et dérapages. Ces dérapages, il faut faire en sorte qu'on puisse totalement les dépasser pour revenir et pas à ce canon de vocation première qui est de l'Assemblée de Guinée, pour les Guinéens. Voilà le message que je voulais dire. Je vais passer la parole. Guinea Mantel.